Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, je vous présente la Galéou G2, alors pourquoi encore une caméra tout simplement, puisque vous me l'avez demandé, vous cherchez pas mal de caméras qui proposent des services un petit peu différents. Alors, dès qu'il y a une nouveauté, en tout cas que ce soit une nouvelle fonctionnalité, euh, un nouveau service ou même euh, tout simplement un prix un peu plus attractif, j'essaye de vous la, la proposer. Là, c'est le cas puisqu'elle propose 7 jours de clade gratuit. Euh, c'est rare hein, les caméras qui proposent encore du, du clade gratuit. Alors, elle ne fait pas que ça, elle est on vif, on le verra tout à l'heure. Elle est 360 degrés. On va voir ça dans cette vidéo. Alors j'avoue que c'est compliqué en ce moment de trouver une caméra qui convienne au le mieux puisque on a vraiment des prix très différents, on a des caméras qui commencent à 15 euros, 20 euros, ça monte facilement à 200 pour en gros la même chose. Alors on a des caméras compatibles HomeKit, d'autres Alexa. On a l'autre jour je vous présentais une caméra qui était très bien étiquetée avec Voiceover, donc ça ça peut être très bien pour certaines personnes. Alors celle-ci justement en matière de Voiceover, bah, elle est pas mal, sauf qu'il y a encore quelques problèmes de traduction, mais globalement tout est bien étiqueté. On passe maintenant à, au contenu de la alors on passe très rapidement puisque c'est du grand classique hein. on a les notices on a la caméra on a tout ce qu'il faut alors que ce soit des vis des chevilles pour l'installer au mur et puis on a l'alimentation secteur puisque en fait on n'a pas de batterie avec cette caméra mais bon ça ne gêne pas hein. c'est une caméra d'intérieur donc on trouvera facilement une prise et donc voilà à quoi ressemble la caméra donc du classique pour une caméra 360 on a le port usb pour la pour l'alimentation et puis un bouton de réinitialisation on passe maintenant à l'installation alors rien de compliqué. On va dans le, dans le manuel, on a un code QR qui se trouve ici avec son iPhone évidemment, on scanne le code QR et puis ça va nous renvoyer tout simplement sur une page qui va nous renvoyer juste ici sur l'App Store, on va pouvoir télécharger l'application, voilà c'est celle-ci. Alors on passe vite sur les étapes, on s'inscrit, ça nous génère un code QR, on le scanne comme ceci devant la caméra et on n'a plus qu'à suivre les étapes. Alors ça va nous proposer de nous inscrire à du CLAD payant, mais c'est ce que je vous disais, on a quand même une version gratuite qui est un petit peu allégée, c'est-à-dire que vous allez garder les, les, les vidéos un petit peu moins longtemps, et puis surtout elles vont être plus courtes, mais je pense que c'est largement suffisant. Et donc voilà à quoi ressemble l'application. Alors c'est relativement sommaire, mais bon, il y a le principal. Euh, je vais zoomer un petit peu. Voilà, donc on a euh, la possibilité de parler à son interlocuteur, on a, le, pour écouter son interlocuteur, la prise de photo et la prise de vidéo, et euh, côté euh, réactivité, ouais, mais ça a l'air pas mal, c'est assez réactif. Donc si je passe en mode paysage, donc là, voilà, donc là j'ai accès à mon PTZ, voilà, bah c'est génial, ça fonctionne. Deux modes de, de qualité vidéo sont disponibles. Un mode Full HD, c'est celui-ci. Alors c'est ce petit extrait de quelques secondes pèse 7 mégas. Et puis ici, euh, on est en mode SD. Sachez que ce, cet extrait qui dure un peu près un, un petit peu plus longtemps d'ailleurs euh, pèse 700 ko. Donc à gauche le Full HD, à droite le, le SD. On voit quand même que c'est nettement mieux contrasté avec le Full HD. On va tester maintenant la latence. Alors deux types de latence, la, la, la réactivité en fait. Est-ce qu'on est dans le direct ou non, regardez, donc ça bouge quasiment en direct. Je bouge un peu, voilà, ça bouge il y a une demi-seconde, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et puis la latence PTZ, souvent c'est pas terrible. Donc regardez, voilà, j'actionne, et ce n'est pas complètement, euh, complètement ça. Il y a un petit décalage, mais c'est souvent le cas. Donc ce n'est pas plus alarmant que ça. Sachez que ça arrive souvent que le PTZ ne, ne réagisse pas au doigt et à l'œil. Bonne nouvelle pour ceux qui ne souhaitent pas utiliser du stockage externe. On va pouvoir enregistrer en local puisque cette caméra est compatible en vif. Alors là, je suis dans mon interface Synology NAS et j'ai donc téléchargé l'application Surveillance Station. Alors c'est pas la première fois puisque je vous avais déjà fait une vidéo concernant les caméras en vif. Donc bon, c'est pas très compliqué. Hein, ça demande l'adresse IP de la caméra. Ça, on trouve toutes les informations sur l'application euh, liée à la caméra. Et donc on va cliquer sur cette icône là. J'ai bien ma caméra qui est reconnue. Le fait que ça soit compatible en vivre, c'est un avantage certain. C'est vrai que pas mal de personnes ne souhaitent pas délocaliser leurs données et préfèrent avoir des notifications en interne ou et surtout un stockage local. Donc, ça sera le cas sur votre NAS, par exemple, si vous utilisez le NAS Synology avec surveillance station. On continue avec l'application cette fois-ci. Alors c'est du grand classique cette application. On a ici donc quelques paramètres. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail mais on a la détection de mouvement. Donc si vous souhaitez planifier une détection de mouvement par exemple pas de détection entre minuit et 6h du matin pourquoi pas. Et avant de voir d'autres paramètres je voudrais juste aller voir dans le stockage. Voilà ça se trouve juste ici. Donc regardez, il y a tous mes éléments stockés. Donc voilà. Et puis après évidemment je peux les consulter. Et toujours pour terminer en tout cas pour le stockage, hein, on a la possibilité de mettre une carte micro SD juste ici pour le stockage en local. On retourne dans les paramètres, alors ici j'ai euh, une, une alerte, je vais pouvoir faire sonner la caméra écouter. C'est pas forcément dissuasif mais en tout cas ça existe. Retour maintenant dans les paramètres. Donc, on a la possibilité d'ajouter un utilisateur, c'est-à-dire que vous pouvez très bien inviter une personne qui n'est pas dans votre domicile à consulter la caméra, pourquoi pas. On a ici, donc, tout ce qui est gestion de la confidentialité, c'est-à-dire que vous allez pouvoir euh, bah, ne pas avoir d'alerte pour une certaine zone. Donc, on clique juste ici. Ensuite, vous avez qu'à sélectionner la zone, mais ça, vous connaissez. Alors, il y a quand même un point qui me dérange, c'est la réactivité des notifications. Donc, regardez, euh, je vais faire un test. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, donc 15 secondes pour avoir la notification. Il y en a que ça peut refroidir, il y en a que ça dérangera pas du tout, mais en Avec tout cas, sachez-le. Montre cam 360. Par contre, bonne nouvelle, donc ma caméra s'appelle Cam360 et j'ai demandé à Alexa de me montrer cette caméra. Euh, donc oui, bonne nouvelle, puisque l'application est compatible avec Alexa, donc on va installer tout simplement la skill. Hein. Comme d'habitude, ça ne change pas. Et depuis un Show par exemple, alors ici c'est les Show 15, voilà, je vais avoir pendant plusieurs minutes ma caméra en direct. Donc ça, c'est assez sympa. Allez, pour terminer, un petit test concernant la vision nocturne. Alors ici, je suis dans mon placard, hein, c'est le seul endroit où il fait complètement noir. Je vais rentrer, donc vous allez voir que ça va changer voilà puisqu'il y a un petit peu de lumière extérieure donc je suis passé en mode couleur et euh, ça devrait repasser en mode nocturne voilà ça s'adapte donc globalement on voit bien Là, un oui. vous voyez que j'ai tenté de parler alors autant euh, la qualité d'image est correcte autant on n'entend rien je sais pas s'il y a un, un problème de micro mais en tout cas bon c'est pas terrible voilà ce que je pouvais vous dire sur la G2 de Galileo, si le produit vous intéresse je vous mets tout ça dans la description, ça coûte une cinquantaine d'euros, alors il y a des points négatifs et des points positifs, hein, si je devais résumer les points négatifs évidemment c'est la partie audio et puis surtout la latence côté notification, vous avez vu 15 secondes pour recevoir une notification. Et puis il y a quand même pas mal de points positifs hein, pour cette caméra, euh, notamment la compatibilité avec Alexa, notamment la compatibilité avec Onvif. Ça, toutes les caméras ne le font pas. Alors c'est une caméra 360 degrés à 50 euros. On en trouve, hein, on en trouve des moins chers. Je vous en ai présenté ici. C'est pas euh, sa grosse force, les, les, le fait qu'elle soit PTZ. Par contre, euh, l'avantage, je pense, hein, c'est ça en tout cas le, le plus important, c'est euh, bah, tout simplement qu'on a du, du cloud euh, disponible. Et ça, toutes les caméras ne le font pas. Alors, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous attendez d'une caméra, en tout cas de cette gamme de prix, puisque là on est à 50 euros. Dites-moi ce que vous voulez, comme ça ça m'aidera en tout cas pour faire mes choix dans le futur. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres tests.